Bonjour à tous. Je pense qu'il est 14h. Nous allons pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour assister à notre webinaire autour de la bioéconomie en Hauts-de-France. Je me présente, je m'appelle Hélène Preud'homme, je suis responsable de l'axe développement de la bioéconomie chez AgroTransfert et j'animerai ce webinaire pendant l'heure et demie qui arrive. Donc, pour rappel, ce webinaire est organisé par un groupe qu'on appelle le groupe Bioéconomie et Biomasse en Hauts-de-France. Il s'agit d'un groupe de partenaires qui travaillons depuis maintenant bientôt 15 ans ensemble sur le développement de la bioéconomie en Hauts-de-France. Ce groupe est constitué de différents partenaires que sont AgroTransfert, bien évidemment, mais également la Chambre d'agriculture régionale des Hauts-de-France, la Coopération agricole des Hauts-de-France, l'Institut Uni-Lassal de Beauvais et le Pôle IAR de la bioéconomie. Durant ce webinaire, nous allons nous intéresser à ce qu'est la bioéconomie, et en commençant par la définir et en revenant sur les différents enjeux et opportunités que cette bioéconomie porte pour l'agriculture et les territoires des Hauts-de-France, avec comme volonté de pouvoir échanger avec des porteurs de projets, ceux qui font la bioéconomie en Hauts-de-France, pour pouvoir apporter un éclairage aux agriculteurs d'abord, mais également aux conseillers et à d'autres acteurs en région, des exemples de projets de bioéconomie qui sont déjà à l'œuvre en région et qui peuvent demain se développer dans la région Hauts-de-France. Donc, nous aurons une présentation de 4 projets qui ont lieu en région, qui seront suivis par une table ronde animée par Gradiela Audry et Michel-Pierre Faucon. Et on aura, à l'issue de cette table ronde, un temps d'échange avec les participants où vous pourrez poser vos questions. Suite à ces échanges, je reprendrai la parole pour faire une synthèse et présenter brièvement les perspectives de développement en région. Et Sandrine Dereux conclura cet après-midi en nous présentant le portail de la bioéconomie en Hauts-de-France. Juste avant de commencer, une toute petite parenthèse technique. Donc, comme vous l'avez remarqué, tous vos micros et caméras sont coupés. Un temps d'échange est prévu durant le webinaire pour que vous puissiez poser vos questions aux différents intervenants. Pour cela, nous vous demanderons de privilégier plutôt l'onglet « Questions et réponses » sur votre interface afin de faciliter pour nous la gestion des questions en back-office et revenir vers vous le cas échéant si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble des questions durant le webinaire pour pouvoir vous apporter les réponses à vos questions. Cette petite intermède technique terminée, je vous propose de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, à savoir ce qu'est la bioéconomie et quels sont les enjeux et opportunités pour le territoire des Hauts-de-France. Donc, je ferai cette présentation en binôme avec Agathe Oliveira de la région qui interviendra pour nous présenter notamment le master plan au niveau régional. Donc, le terme bioéconomie, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans la presse, et notamment la presse agricole, qui a vu le développement et l'arrivée de ce terme suite à la stratégie pour la bioéconomie pour la France. Et elle se définit comme l'ensemble des activités liées à la production, à l'utilisation et à la transformation des bioressources, afin de répondre de façon durable aux besoins alimentaires et à une partie des besoins en matériaux et énergétiques de la société, et en même temps de lui fournir des services écosystémiques. Donc, si on veut résumer les objectifs de la bioéconomie, il s'agit en fait de substituer aux produits pré-trop-sourcés, c'est-à-dire des produits qui vont être issus de ressources fossiles, des produits biosourcés, c'est-à-dire des produits qui vont être
produits à partir de biomasse et de tout type de biomasse, à la fois des biomasses qui proviennent de la forêt, de l'agriculture, de l'aquaculture et des biodéchets, pour pouvoir apporter des solutions pour nos besoins alimentaires, mais également pour une partie des biens de consommation de notre société. Et donc l'ambition de cette bioéconomie, c'est d'améliorer la durabilité de notre société en substituant l'utilisation des ressources fossiles et de rendre du coup nos sociétés plus durables en maintenant un niveau de consommation tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. En termes économiques, la bioéconomie représente aujourd'hui pour la France un chiffre d'affaires de près de 300 milliards d'euros, avec 7,3% des emplois en France qui sont rattachés à des filières de la bioéconomie. Et si on regarde cette répartition de ce chiffre d'affaires au niveau européen, on voit que plus de la moitié de cette valeur ajoutée, elle est apportée non pas par les produits alimentaires, mais bien par l'utilisation de la biomasse pour une valorisation non alimentaire. Ça va être le secteur de l'énergie, le secteur des bioraffineries, le secteur pharmaceutique ou encore l'industrie du textile. Donc on voit qu'on a vraiment un potentiel de développement de nos filières non alimentaires, c'est-à-dire l'utilisation de cette biomasse pour une valorisation en produits et de biens de consommation non alimentaires. Et un potentiel de développement très important également en France. On a du coup les attentes vis-à-vis de cette bioéconomie, elles sont assez fortes et elles vont être de nature très différente, notamment vis-à-vis du monde agricole. Elles vont porter la première attente vis-à-vis de la bioéconomie, elle est principalement autour de la proposition d'une alternative aux énergies fossiles. En effet, aujourd'hui, nos sociétés, on utilise pour nos besoins énergétiques une grande part de ressources fossiles pour nous produire en énergie. Et la substitution de ces ressources fossiles par des ressources dites renouvelables pour la production d'énergie, eh bien, ça va nous permettre de réduire notre consommation d'énergie fossile et du coup d'augmenter par là même notre indépendance énergétique, puisque l'on va utiliser la biomasse présente sur les territoires pour développer des énergies que l'on utilise dans notre vie de tous les jours. Et le fait de diminuer notre utilisation des ressources fossiles, que l'on sait très émettrices d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça va nous permettre par la même occasion de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte écologique que l'on peut avoir sur notre environnement. La deuxième attente forte autour de la bioéconomie, elle est surtout autour du développement de l'utilisation de ces biomasses pour de nouveaux produits, à la fois par les industriels et également apporteuses de solutions, ou en tout cas de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, pour l'utilisation des biomasses, des biomasses agricoles, soit par l'utilisation des biomasses qui existent déjà pour de nouveaux procédés et donc de nouveaux débouchés, soit par le développement de nouvelles cultures en région, par la modification des systèmes de culture, par exemple, pour pouvoir avoir des biomasses disponibles pour les nouvelles filières industrielles qui se développent en région. Et le fait de ça apporte de nouveaux débouchés pour les agriculteurs. Et ces nouvelles productions de produits à partir de biomasse, ça va également permettre d'augmenter le stockage de carbone dans ces produits et par là même réduire notre impact écologique sur les territoires. Le fait également comme on vient de l'expliquer dans ces deux premières attentes, on voit qu'on a une demande de plus en plus importante d'utiliser la biomasse sur les territoires et de l'utiliser dans des nouvelles filières et de l'utiliser sur les territoires là où elles sont produites. Eh bien, on a des attentes de relocaliser les filières, c'est-à-dire de mettre en lien à la fois le producteur et le transformateur de biomasse sur des territoires. Et cette création de liens entre à la fois la production et la transformation va permettre d'ancrer sur les territoires les filières et d'apporter de la valeur ajoutée sur les territoires et de pouvoir favoriser le développement économique des territoires.
Donc, ces attentes au niveau national, on les retrouve également au niveau de la région de France, avec une ambition affichée de la région qui a développé un master plan autour de la bioéconomie. Et je vais laisser Agathe vous présenter le master plan de la région. Tout à fait. Donc, merci Hélène. Bonjour à tous. Merci à tous pour votre participation. On est nombreux, c'est plutôt un bon signe. Du coup, comme on l'expliquait, il y a un contexte autour de la bioéconomie, que ce soit au niveau national ou européen, sachant que depuis 2008, l'Union européenne aussi s'est saisie et rédigé des stratégies autour de la bioéconomie, toujours en mettant en avant le terme de circularité, de durabilité qu'il y a autour de cet ensemble de filières. Et donc, en fait, on s'est saisi en région de ce sujet-là. On a mesuré son importance. Il faut savoir aussi qu'en même temps, on a le terrain pour. On a donc beaucoup de terres agricoles. On est l'une des premières régions en termes d'agriculture en France. On a une façade maritime. Donc, ce que Hélène expliquait, c'est-à-dire qu'on a de la biomasse végétale. On a une façade maritime et on a également des forêts. Donc, on va dire qu'on a au moins le premier terreau, le premier maillon nécessaire pour pouvoir permettre à la bioéconomie de se développer. Et on a évidemment donc toutes les industries agroalimentaires ou les industries utilisatrices de produits de la bioéconomie aussi présents sur nos territoires. Donc face à toutes ces forces, en fait, la région Hauts-de-France a décidé de contribuer à la bioéconomie en initiant une dynamique qu'on a appelée Master Plan Bioéconomie, afin de mettre en avant aussi ce sujet-là. Et on est parti autour de 4 ambitions en région, en partant un petit peu justement de nos forces pour les amplifier. Tout d'abord, un sujet assez important, vous entendrez peut-être parler à l'avenir, c'est tout ce qui concerne les protéines et la production de protéines, notamment dans un cadre un peu de sécurité, souveraineté alimentaire en région. On a tout ce qu'il faut pour favoriser un développement de tout type de protéines, qu'elles soient animales, qu'elles viennent des végétaux, qu'elles viennent des insectes, des algues. On a tout le terrain pour. Ensuite, on a aussi quelque chose qui concerne beaucoup le public agricole, notamment, et pas que. C'est la question de la méthanisation ou de la production de biogaz en général. Donc, on a aussi une initiative en région autour de ce sujet-là via le CORBI, qui est le collectif régional pour le biogaz injecté, qui est le représentant un petit peu, qui réunit, on va dire, les acteurs de la filière sur le sujet. Donc, on travaille vraiment à pouvoir promouvoir cette forme de bioénergie sur le territoire. Ensuite, on a tout un pan sur les matériaux et produits biosourcés, qui soient à destination du transport, du bâtiment. Donc, c'est vrai qu'ici, on va surtout en particulier aborder des sujets en lien avec la forêt, notamment, mais également les filières lin, paille en région. Et enfin, on a une dernière ambition qui s'oriente pas mal autour des biotechnologies qu'on a un peu recentrées pour s'intéresser à la question des ingrédients à destination de l'alimentation et de la santé. Et donc, en fait, autour de ces dynamiques-là, on a mis en place des groupes de travail. Et l'idée, c'est de faire émerger des projets collaboratifs. Ah oui, du coup, j'ai un peu grillé peut-être derrière la suite, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc on a mis en place des groupes de travail. L'idée, c'est de faire émerger des actions collaboratives autour de ces sujets-là, notamment portées par les acteurs du territoire. Ça, c'est très important pour nous. Et il faut noter aussi qu'on ne se ferme absolument pas la porte à des projets transversaux qui peuvent s'organiser autour. Donc, vous verrez après une représentation du portail de la bioéconomie que le Polyair nous a proposé et qu'on a soutenu, ainsi que justement ce projet de création d'observatoire de la biomasse qui est en cours de notre côté. Donc, voilà, plein de beaux projets. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déjà sensibiliser, on va dire, les acteurs qui découvrent la notion de bioéconomie et en particulier les acteurs de l'amont, pour les sensibiliser à toutes ces nouvelles sources de production de valeur ajoutée pour notre territoire et également pour un public déjà d'initié pour démontrer que la dynamique court toujours avec des exemples concrets en région. Merci Hélène. Non, désolée, j'ai essayé de retrouver le son de mon micro. C'est pour ça. Donc, mais très bien. Merci Agathe pour cette présentation. Donc, comme Agathe le disait, on est vraiment une région propice au développement de la bioéconomie avec une agriculture riche et dynamique, un terroir, des terres riches avec un climat pour l'instant encore favorable pour produire de la biomasse et un savoir-faire des agriculteurs pour le développement de systèmes de culture complexes et en tout cas avec le développement de systèmes de culture qui intègrent des biomasses pour la bioéconomie. Et puis en parallèle, comme le disait Agathe, un historique industriel fort avec des compétences en région pour le montage de projets et le suivi et des infrastructures qui sont présentes sur le territoire à la fois routières, logistiques, qui vont permettre de mettre en lien les acteurs
à la fois les différents acteurs impliqués dans ces filières de la bioéconomie et ces filières qui se construisent en région Hauts-de-France. Donc c'est pour ça, enfin, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir montrer, faire voir ce qui est, quel type de projet on était capable d'accompagner et de porter en Hauts-de-France. On a volontairement laissé de côté l'aspect méthanisation, puisque c'est des aspects de projets que les agriculteurs connaissent bien, pour faire plutôt la lumière sur d'autres types de projets dans lesquels les agriculteurs vont être impliqués et qui sont des projets de bioéconomie et qui ont toute leur place et un avenir important pour le développement de la bioéconomie. Donc, je vais laisser la parole à Michel-Pierre Faucon et Graziella Audry pour animer cette séquence autour de la présentation des projets. Oui, merci Hélène, merci Agathe. En effet, donc vous avez introduit cette question de bioéconomie en France, hein, après les grandes lignes et puis le master plan, qu'est-ce qu'on trouve comme axe dans le master plan. Alors justement, pour illustrer un peu les quatre filières qui sont accompagnées dans le master plan de notre région, on vous propose donc une table ronde donc dans laquelle vous allez entendre à tour de rôle quatre personnes impliquées chacune dans le développement d'une de ces quatre filières, donc protéines, matériaux biosourcés, bioénergie et biomolécules. Alors, nos intervenants présenteront leur projet en 5 minutes. C'est court, 5 minutes, mais ensuite, on vous proposera un temps d'échange, voilà, avec Michel-Pierre. Donc, on va écouter un petit peu ses interventions, préparer des questions. Donc, on aura déjà des questions à poser à l'issue des présentations. Et ensuite, on laissera les questions un petit peu plus libres. Donc, en termes de présentation, en premier lieu, vous allez entendre le témoignage de Madame Béatrice Maire, qui est dirigeante de la société Graines de Choc, qui commercialise une mousse à base de févrole, dénommée Tartimousse. Alors, ce produit, il est parfaitement ancré dans une démarche de bioéconomie, parce qu'il est fabriqué à partir de légumineuses produites localement. Ensuite, nous recueillerons l'expérience de Coralie Di Bartolomeo, collaboratrice à la Chambre d'agriculture de l'Aisne, qui accompagne et suit les projets de développement d'utilisation de biomatériaux paille dans les constructions et rénovations de bâtiments. Ensuite, la parole sera donnée à Madame Véronique Marien, ingénieure à la société coopérative Énergie Citoyenne, qui propose en région un accompagnement de la mise en place du micro-chaufferie collectif au bois, intitulé Michoco, qui est au carrefour du développement de la filière bioénergie. Et enfin, nous entendrons M. Cédric Ernerbein, manager R&D de la société SDP, qui est spécialisé dans les adjuvants et produits de nutrition des plantes et qui nous exposera la production d'agents de biocontrôle. Voilà. Donc, vous voyez des illustrations régionales et très, très variées et représentant vraiment les quatre filières. Donc, je donne tout de suite la parole à Madame Béatrice Maire, si elle veut bien nous parler de son expérience de société Graines de Choc. Bonjour, donc, je suis donc Béatrice, la société de Graines de Choc. Alors, je vais partager mon écran, le temps que ça arrive. Alors, est-ce que vous le voyez ? Voilà, est-ce que vous voyez l'écran ? Oui, on voit l'écran, oui, mais il n'est pas en... Si vous pouvez le mettre en page voilà. Complète. Normalement, c'est bon, là. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Hop. Voilà. Donc, du coup, donc, Béatrice, j'ai créé la société Graines de Choc en début d'année 2019. Donc, cette société, on a deux missions. La première qui est de développer la filière févrole dans les Hauts-de-France. Et la deuxième, en fait, c'est d'utiliser donc, cette févrole pour améliorer le profil nutritionnel des produits de grande consommation. Donc, l'histoire du projet, j'ai découvert la févrole par hasard. Je ne suis pas agricultrice, je l'ai découvert sur une manifestation agricole. J'étais assez surprise qu'on la cultive en France et qu'on ne la consomme pas en France. Donc, j'ai discuté ce jour avec le responsable de la coopérative. On était sur le stand d'Agora.
Et puis, j'ai eu envie de comprendre d'une part pourquoi on ne la consommait pas en France alors qu'on la cultivait, qu'on savait qu'on pouvait la consommer puisqu'on l'exportait en Égypte. Et j'ai eu envie de donner une chance à cette culture. J'ai donc expérimenté en fin 2017 quelques recettes. Les graines avaient été fournies par la coopérative Agora. Et donc, dans ces premières recettes, j'ai mis donc au point un prémisse de pâte à tartiner qui aujourd'hui, maintenant, est notre produit phare, donc une pâte à tartiner aux noisettes et cacao. Donc, pour en arriver là, une fois que j'ai eu les févroles dans les mains, je me suis beaucoup intéressée donc, à la févrole. J'ai découvert à la fois les enjeux agronomiques et les enjeux nutritionnels en utilisant donc, la févrole dans l'alimentation humaine. Si on prend l'exemple tout simplement de la pâte à tartiner, vous comparez l'huile de palme avec la févrole, hein, il y a pas photo en termes d'environnement entre la déforestation et l'empreinte carbone liée à l'utilisation d'huile de palme et la févrole qui va capter l'azote atmosphérique, enrichir les sols et donc améliorer significativement l'empreinte carbone de la pâte, du produit fini de la pâte à tartiner. Il y a ensuite l'intérêt nutritionnel également. On arrive à passer, alors quelle que soit l'huile utilisée, hein, il n'y a pas que l'huile de palme, mais une pâte à tartiner classique à base d'huile et de sucre qui va être notée E par le Nutri-Score, on arrive à obtenir la lettre A du Nutri-Score. Nous sommes les seuls à l'échelle mondiale, tout simplement grâce à l'utilisation de la févrole en ingrédient principal. Donc ensuite, au niveau du sourcing, sans avoir trouvé d'accompagnement, hormis la coopérative Agora qui avait au départ fourni une centaine de kilos de févrole pour faire les essais, j'avais un stagiaire à l'époque qui était très impliqué. On a constitué un petit groupe de 5 agriculteurs qui sont dans un rayon qui va de 5 à 60 kilomètres de chez moi, à côté de Roy. On a discuté ensemble des coûts de production, des rendements aléatoires de la févrole, des problèmes que les agriculteurs pouvaient rencontrer en cultivant. Ça nous a permis de définir un cahier des charges. On a parlé également des problèmes aussi pour la société Graines de Choc de traiter en direct hein, au niveau des volumes, au niveau du stockage. Et ainsi, on a pu définir un prix, des modalités de paiement et on a donc rédigé des contrats. L'idée, c'était vraiment que tout le monde s'y retrouve, de l'agriculteur, du transformateur et également du consommateur, de manière à, au final, à lui fournir un produit avec un prix tout à fait correct. Ensuite, pour terminer cette petite présentation, donc quelle relation au sein du territoire? Je dirais qu'aujourd'hui, l'entreprise est trop petite. Je suis partie toute seule de rien, donc forcément avec zéro chiffre d'affaires au départ. En 2020, c'est seulement 6 tonnes de févrole qui ont été transformées. C'est des volumes trop petits pour que les coopératives acceptent de nous aider, de collecter pour nous. On a également peu de moyens humains dans l'entreprise, on est deux seulement, peu de moyens financiers pour développer l'activité plus rapidement, alors qu'il y a quand même beaucoup de demandes. On a énormément d'agriculteurs qui nous sollicitent, qui nous demandent pour travailler avec nous, pour valoriser leur culture, parce qu'ils ne trouvent pas, eux, de débouchés. Et nous, on ne peut pas répondre à leurs demandes à tous, parce qu'on travaille sur des trop petits volumes aujourd'hui. J'ai également régulièrement la demande industrielle qui cherche maintenant des févroles. Il y a pas mal de produits qui se développent, avec notamment des produits fermentés. Je dirais qu'il y a tout ce qu'il faut. Dans la région, il y a des entreprises qui peuvent transformer la févrole, la décortiquer, la transformer en farine. Il y a la demande, il y a les agriculteurs sur place aussi. Et je dirais qu'aujourd'hui, il reste à construire la filière, tout est possible. Et je vais dire, c'est un peu rageant que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Et pourtant, voilà, on est à deux pas de pouvoir aller plus loin avec la févrole. Voilà, ma petite présentation. Hop, je vais arrêter ça. Normalement, est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que je suis revenue? Oui, ça s'est arrêté. Merci beaucoup, Béatrice.
C'est très intéressant. Et donc là, on va continuer sur les présentations et après, on reviendra vers vous pour les questions au niveau de la table ronde. Donc là, j'invite Coralie à prendre la main. J'avais oublié d'activer mon son. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous voyez tous ma présentation. Donc, Coralie Di Bartolomeo. Donc, moi, je suis chargée d'études à la Chambre d'agriculture départementale de l'Aisne. Et je vais vous présenter les actions menées dans le cadre du développement de la filière paille-construction dans l'Aisne. Alors, pourquoi la construction paille ? On est parti d'un constat, d'un besoin. Dans l'Aisne, on a un parc immobilier qui est vieillissant, qui demande, je pense que pour ceux qui habitent dans l'Aisne, ils s'en rendent compte, beaucoup de consommation énergétique. Et il y a un enjeu sur la rénovation du bâti et notamment au niveau de l'isolation. Il y a eu du coup une volonté politique, notamment avec la mission Vasseur, de se dire qu'il faut développer la rénovation, mais développer ça de manière verte. On sait qu'il y a pas mal de produits biosourcés. On est donc venu chercher la Chambre d'agriculture en demandant, voilà, on aimerait savoir faire du biosourcé pour la construction, mais on ne sait pas à partir de quoi, on ne sait pas comment, quels produits. Nous avons donc réuni un ensemble d'acteurs du bâtiment et de l'agriculture dans l'Aisne pour essayer de faire un état de l'art de ce qui se faisait. On a étudié la possibilité sur plusieurs gisements, notamment le colza, le chanvre qui existe déjà, et la paille. On est arrivé sur la paille, pourquoi ? Parce qu'on est sur un produit qui est en quantité sur le territoire, qui a moyen d'être exploité et surtout qui est une filière avec des règles de construction bien en place sur le territoire. Et aussi parce que c'est une filière qui est déjà bien lancée en France et dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, on a le CD2E qui est un organisme spécialisé justement sur l'éco-construction, sur le biosourcé, qui est un organisme fédérateur et qui est un catalyseur justement du développement et de la mise en réseau des acteurs de la bioconstruction et notamment en paille. On a déjà des actions de construction paille, il y a déjà des bâtiments construits en paille, notamment vous avez une photo du bâtiment dans l'Aisne, dans la salle des fêtes de Noyon et à Conin qui est isolé en paille. Et le graphique qui est là a été produit par le CD2E et présente la montée en quantité des demandes de construction référencées paille dans les Hauts-de-France au cours des années, et on voit une montée en flèche. Et on a des acteurs qui s'intéressent de plus en plus à la construction biosourcée. Je vous ai mis par exemple l'OPAL, qui est l'organisme des logements sociaux de l'Aisne, qui a une volonté de s'intégrer dans les biosourcés, et notamment la paille. Alors la construction paille, oui, mais comment ? Donc il y a des règles professionnelles bien précises pour la mise en place de l'isolation en paille. On est sur un concept d'ossature en bois rempli avec des bottes de paille carrées. Il y a des règles bien précises sur ces bottes de paille, notamment en termes de densité, en termes d'humidité, en termes de récolte. Et pour ça, il y a des formations qui sont faites par le CD2E pour les producteurs, pour les maîtres d'œuvre, pour les charpentiers, afin d'avoir des bottes de paille qui correspondent aux règles professionnelles, qui correspondent aux normes et qui permettent d'isoler un bâtiment sans erreur technique. Petite illustration peut-être dans l'Aisne. Aujourd'hui, donc, on a l'OPH de l'Aisne qui développe des bâtiments, mais on a aussi deux porteurs de projets tout récents, le Petit Ballot, qui fournissait déjà des ballots aux dimensions et aux normes pour la construction, et qui a voulu aller plus loin pour répondre justement à la demande et pour répondre aux attentes des bâtisseurs, des maîtres d'œuvre, avec un procédé qui nous vient du centre de la France, de Active Home, qui permet de produire directement, sortie d'usine, des modules préfabriqués, ossature, bois, isolation, paille. Et du coup, on arrive avec les modules, on les installe, c'est plus facile pour les maîtres d'ouvrage. Afin de faciliter la dynamique sur le territoire, nous mettons aussi en place une étude de marché sur le potentiel de la construction biosourcée. Elle se déroulera, là, elle a été lancée ce mois-ci, elle se déroulera sur 6 mois, 1 an, et permettra de définir les besoins et les potentiels justement de développement du biosourcé dans la construction, que ce soit sur la paille, mais aussi sur d'autres filières, afin de pouvoir informer et organiser les producteurs pour s'investir dans la construction paille. Voilà,
pour en discuter plus précisément tout à l'heure. Gratiella? Oui, pardon, je voyais que Madame Marien ouvrait son écran. Donc, merci Coralie. Et en effet, c'est à Madame Marien maintenant de nous présenter le projet Michoko, s'il vous plaît. Merci. On ne vous entend pas, Madame Marien. Je pense que votre micro est resté coupé. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, merci. D'accord. Donc, bonjour, je suis Véronique Marien, je suis chargée de mission Bois Énergie et l'association énergétique et on a accompagné un projet qui s'appelle Michoko, micro-chaufferie collective au bois et c'est noté de l'arbre au radiateur parce qu'en fait on part de la plaquette de bois, donc du bois déchiqueté jusqu'à la production de chaleur. Alors, comment est né le projet Michoko? Donc, l'association énergétique, on a comme particularité d'accompagner des projets énergie renouvelable citoyens, c'est-à-dire qu'on implique les habitants dans le montage de nos projets, dans la gouvernance des projets. Et puis, on faisait aussi de l'animation de la filière bois énergie. Et donc, l'association a voulu développer des projets qui soient à la fois sur la biomasse et qui aient un aspect citoyen. Et puis, au niveau national, le réseau national énergie partagée qui relie un peu toutes les structures qui portent des projets citoyens a organisé une journée de présentation d'un projet biomasse citoyen. Et c'était un projet de vente de chaleur qui a été développé par une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle ERE 43 en Haute-Loire et qui produit en fait... de la vente de chaleur 100% renouvelable et on s'est inspiré de cette initiative-là pour développer ce projet en Haute-France. Et donc, c'est comme ça que Michoko est né. On a rencontré des porteurs de projets pour qui on avait réalisé des études et que les chaudières n'étaient pas sorties. On leur a présenté le projet de RE43. On est allé... On a organisé un voyage d'études là-bas et puis c'est comme ça qu'est né le projet Michoko avec des porteurs qui disaient on est prêt à partir dans ce type de projet pour chez nous. Donc en fait, nous énergétiques, on a animé le comité de pilotage qui rassemblait à la fois les porteurs de projets potentiels. Donc il y avait deux communes. La commune de Kelm et la commune de Zudosk, c'est deux petites communes rurales qui sont situées à côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. On avait aussi, au sein du comité de pilotage, des acteurs comme le parc naturel Cap et Marais d'Opale, des gens de la communauté de communes du Pays de l'Imbre. Et puis, ce groupe a continué de réfléchir à monter... à monter les Michoko et puis à un moment donné ils se sont dit qu'il faut créer une structure pour pouvoir investir et c'est comme ça qu'ils ont rencontré la coopérative, donc c'est aussi une SIC qui s'appelle Énergie Citoyenne qui porte des projets d'énergie renouvelable citoyen qui avait déjà investi dans des toitures photovoltaïques et puis qui a accepté de porter les chaufferies Michoko. Suite à ça, les deux communes se sont rapprochées donc, de la communauté de communes pour rédiger un marché de fourniture auquel la coopérative a pu répondre. Et ils ont aussi, avec l'aide du parc Cap Marais d'Opale, mobilisé les agriculteurs pour fournir le bois déchiqueté des Michoko. Ensuite, quand les Michoko, donc en fait, le projet Michoko, c'est quatre Michoko qui ont pu voir le jour sur trois sites. Donc, je vous ai cité la commune de Kelm et la commune de Zudosk, et puis on en a aussi deux sur l'abbaye de Belleval, qui est située près de Saint-Paul-sur-Ternoise, toujours dans le Pas-de-Calais. Ça a permis, en fait, ces Michoko, donc en fait, ce sont des chaufferies qu'on implante avec un réseau de chaleur qui est branché à tous les bâtiments, par exemple, de la commune ou sur le site de Belleval à tout leur équipement touristique. Hein, c'est 10 000 m² de plancher à chauffer. Donc, ces quatre Michoko ont permis de passer des sites 100% énergie renouvelable pour la chaleur.
Et puis, donc ça, c'est un premier lien avec le territoire, évidemment. Ces projets Michoko, ils sont portés par la coopérative Énergie Citoyenne qui rassemble 260 sociétaires, c'est-à-dire essentiellement des gens issus du territoire autour de Kelm, Zudowsk et Belval, et qui ont apporté une part de financement, puisqu'ils peuvent mettre une part de 100 euros, par exemple, pour aider au projet. Et puis, ces 260 sociétaires, ils ont participé aussi au montage du projet. Et puis, à un moment donné, on a été interpellés par le territoire, donc en fait, notamment proche des communes de Kelm et Zudowsk, qui a l'agglomération du pays de Saint-Omer, la CAPSO, qui souhaitait mettre en place une plateforme de bois déchiqueté, mais qui n'avait pas assez de volume pour l'ensemble de ses chaufferies. Par contre, si elle s'associait à la coopérative Énergie Citoyenne, eh ben, on avait un volume suffisant pour ouvrir une plateforme. Et c'est comme ça qu'on a pu créer un partenariat avec une structure d'insertion qui s'appelle Mara Le Toit, qui fait toute la gestion un peu technique de la plateforme. Voilà, merci. Merci à vous, Marie. Véronique, pardon. Dans ce cas-là, maintenant, on passe à la quatrième présentation, celle de Monsieur Enarmein, pour la partie biomolécules. Merci. Oui, merci. Donc, je vais partager aussi mon écran. Voilà. Donc, merci de me donner l'opportunité de vous présenter le projet PIL. Alors, c'est un projet qui a reçu le soutien de l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet industrie, agriculture éco-efficiente, et qui est un projet collaboratif entre SDP, qui est porteur du projet, l'INRA, deux laboratoires de l'INRA, l'un à Nantes et l'autre à Angers, l'Institut Unilassal à Beauvais et la coopérative agricole Agrial. Donc, l'objectif du projet était de trouver une valorisation à un coproduit agro-industriel qui est la drèche de tomates, puisque le laboratoire de l'INRA avait trouvé une molécule d'intérêt dans cette peau de tomate. Et dans le cadre d'un premier projet en 2016-2017 soutenu par France Agrimaire, on a recherché ensemble à trouver une valorisation potentielle de cette molécule dans le domaine agricole. Et cette investigation nous a emmené à découvrir une propriété éliciteur, c'est-à-dire la possibilité de produire un produit de biocontrôle, autrement dit un produit qui sera capable de substituer, remplacer ou réduire la part de fongicides chimiques dans l'agriculture. Donc le projet PIL est né de cette initiative, et pour pouvoir aller plus loin, pour optimiser le process d'extraction, la production du produit et l'évaluer ses performances jusqu'au stade champ. Donc, quand on s'intéresse à valoriser un coproduit agro-industriel, il faut déjà s'interroger quant à sa disponibilité. Est-ce qu'il est facilement disponible? Est-ce qu'on peut le récupérer facilement et en quantité suffisante par rapport à l'application que l'on vise? Donc, la tomate, au niveau mondial, la production mondiale de tomates en 2019, c'est 160 millions de tonnes. Et uniquement, entre guillemets, un peu moins de 40 millions qui est transformé industriellement pour en faire des sauces, des ketchup, des purées. Et dans le top 10 des transformateurs de tomates, on va retrouver, la France n'en fait pas partie, mais on va retrouver l'Italie, l'Espagne, le Portugal pour la France, pour l'Europe, pardon. La France, elle va, en 2019, elle a transformé 150 000 tonnes, ce qui est déjà beaucoup. Et finalement, ces 150 000 tonnes nous permettraient d'avoir accès facilement à 5 000 tonnes de drèche humide, soit 350 tonnes de peau, on estime, qui vont être transformés par le projet, potentiellement, et ce qui nous permettrait de traiter à plus d'un million d'hectares, ce qui nous laisse largement de quoi faire. Et au pire, au mieux des cas, si le projet est un super succès, on sait que l'Italie ou l'Espagne ont des ressources très largement supérieures à la France. Donc, la question de la disponibilité n'est pas un gros souci, finalement. La deuxième question, c'est comment le produire. On va travailler sur une matière première qui est relativement instable, hein, la drèche, c'est-à-dire que c'est le sous-produit de la fabrication des tomates transformées, hein, des ketchup et des sauces.
Donc, c'est un produit qui contient de l'eau, qui contient de la peau et des graines, et puis de la pulpe résiduelle. Donc, ce n'est pas très stable d'un point de vue microbiologique. Il faut le stabiliser et notamment le sécher. Donc, pour ça, on a évalué dans le projet des différentes méthodes de séchage et de séparation pour obtenir notre matière première, qui est la peau sèche. Donc, tout ça, ça a été fait, notamment grâce à Ami Lassalle, et pour obtenir le meilleur compromis économique et environnement, puisqu'on a fait une étude d'analyse de cycle de vie pour finalement trouver la meilleure solution. Une fois la peau récupérée et séchée, donc elle est transportable, elle est stockable, et on peut sereinement attaquer la transformation de cette peau pour en extraire la molécule qui nous intéresse. Et bien sûr, au préalable, on a protégé tout ça pour éviter de se faire copier, etc. Donc, on a des brevets au niveau français et européen, et qui nous permettent de protéger le procédé. Donc, on extrait la molécule qui nous intéresse. Donc là aussi, on est dans le projet, il y a toute une étape d'optimisation pour obtenir le produit. Cette molécule est difficile à manipuler, donc il faut aussi la formuler. Donc nous, SDP, on a cette spécialité de la formulation, ce qui nous permet de trouver un produit soluble et facilement utilisable par l'agriculteur ensuite. La troisième question qu'il faut se poser, c'est comment cela fonctionne, parce que si on ne connaît pas le mode fonctionnement d'un actif, notamment d'un produit de biocontrôle, on aura du mal à identifier sur quelle cible on va l'utiliser, contre quel pathogène. Donc, heureusement, il existe quand même pas mal de littérature autour de l'utilisation de ces monomères de cutine et comment est-ce qu'ils peuvent avoir un effet. Donc, j'ai un peu vulgarisé l'utilisation. Donc, on est sur le cadre d'un éliciteur, c'est-à-dire d'un produit qui va protéger la plante en activant les défenses naturelles de la plante. Lorsqu'un pathogène attaque une plante, il veut s'installer dessus. Donc et donc, pour s'installer sur la plante et profiter d'elle, il va mettre en place un système qui permet de grignoter un petit peu, si vous voulez, la surface de la feuille ou du fruit. Et donc, ce sont des enzymes, notamment des cutinases, qui vont dégrader le polymère de cutine, la peau, produire des monomères. Et ces monomères qui sont produits finalement par le pathogène sont aussi des molécules signal qui permettent de prévenir la plante, si vous voulez, la plante va pouvoir mettre en route ensuite ses systèmes de défense pour essayer de se débarrasser de ce pathogène. Donc, l'idée, c'est de reproduire ce système en pulvérisant ces briques, ces monomères de cutine, qui sont ces molécules signal, avant l'apparition des pathogènes ou avant l'apparition des symptômes, et de manière à mettre la plante, entre guillemets, pour la préparer à se défendre. Ainsi, quand le pathogène va finalement arriver, la plante sera prête, plus apte à exercer ses mécanismes de défense de manière plus forte, et finalement avoir un effet de protection. Donc ça nous oriente sur le choix de tester le produit. Donc le produit est un éliciteur, c'est-à-dire qu'il est capable de stimuler les défenses naturelles, et ça nous oriente sur le choix des pathogènes, et le fait d'aller vers, effectivement, identifier les mécanismes d'action et les voies de défense. Donc, il y a eu un travail de fait qui est encore en cours, à la fois à l'INRA sur le modèle du pommier et à Ami Lassalle sur le modèle du blé, sur les expressions des gènes de défense, pour bien comprendre quels sont les mécanismes de défense, quelles sont l'intensité de cette réponse, est-ce que c'est suffisamment intense pour protéger la plante sans trop lui coûter en énergie, parce que c'est un autre problème qu'on peut avoir. Est-ce que ça dure longtemps, la protection? Comment il faut appliquer le produit, etc. Donc, on répond à toutes ces questions au stade laboratoire, déjà en évaluant les mécanismes de défense. Et puis ensuite, il faut que ça protège contre une maladie. Et donc, on va tester, dans un premier temps, dans des conditions contrôlées, l'efficacité des produits ainsi pulvérisés. Donc là aussi, sur deux modèles principalement, sur le blé contre la septoriose et la fusariose, cette étude est réalisée aussi chez Ami Lassalle et chez SDP, et puis contre la tablure du pommier avec l'INRA. Donc, par exemple, l'objectif, donc on a déjà des résultats qui sont intéressants, qui montrent que le produit est capable de protéger la plante, mais l'un des objectifs fondamentaux de ce projet, c'est de proposer une solution pour réduire drastiquement les concentrations, les volumes de fongicides chimiques. Avec un produit de biocontrôle, dans le domaine de l'agriculture conventionnelle, je ne parle pas d'agriculture sous serre ou des choses comme ça, je parle des agricultures en plein champ, il est aujourd'hui difficile d'avoir des niveaux de protection suffisants avec uniquement un produit biocontrôle. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner la réduction de dose en faisant un mix hybride entre le biocontrôle et les produits de fongicides classiques. Et donc, on arrive,
et notamment on est en train de le tester au champ, à réduire la part de fongicides, par exemple contre la, sur des essais sur, contre la septoriose du blé. On a démontré qu'on était capable de réduire. Alors, au labo, c'est 75% de réduction. Quand on arrive au champ, ça baisse un petit peu, cette capacité à réduire les fongicides entre 20 et 50%, ce qui est déjà beaucoup. Sur la pomme de terre, on a eu des très bons résultats contre le mildiou, qui nous ont permis de réduire de 25% à peu près la concentration en fongicides, ce qui a été reproduit aussi sur vigne. Et on travaille bien sûr sur la tavelure du pommier. Donc voilà, ça montre un peu l'exemple, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur comment, en partant d'une matière, un coproduit agro-industriel, comment on peut essayer dans un programme de recherche d'intégrer, d'optimiser toutes les phases pour produire le produit, le transformer, proposer des formulations prêtes à l'emploi, tester ces produits au stade laboratoire et tester au stade au champ pour ensuite trouver une valorisation et obtenir un biocontrôle. C'est un cercle vertueux, si vous voulez. On est capable d'aller chercher des coproduits issus du monde agricole pour le monde agricole. Et la question qu'on veut aussi résoudre dans ce cadre de ce projet, c'est est-ce que ce modèle est extrapolable à d'autres coproduits? Donc, on y travaille, on espère que oui, et on travaille en ce moment notamment sur les pots de pommes, qui sont issus aussi des procédés de production de compotes, par exemple, et les mares de pommes, notamment pour, donc, qui sont issus des procédés de fabrication des jus ou des cidres. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous présenter et dans lequel on pourra discuter après. Merci. Merci Cédric pour cette présentation claire et en plus scientifique, pédagogique. Donc voilà, merci à vous quatre pour vos témoignages qui permettent de présenter, mettre en lumière voilà, des projets, des aspects concrets des quatre filières de la bioéconomie. Donc en fonction de ce qui a été dit, nous avons identifié cinq grandes questions qui permettront d'éclairer encore plus le sujet. Donc à savoir quelles sont les exigences spécifiques à ces nouvelles filières. Quel intérêt des contractualisations pour le porteur du projet et les agriculteurs partenaires? Quelle coordination des acteurs de la filière pour l'avancement des projets? Et donc aussi, comment concilier, une question qui est importante qui revient, c'est comment concilier le calendrier agricole et le calendrier industriel pour avoir vraiment cette adéquation? Et quelles sont les étapes aussi, ce qui va intéresser d'autres porteurs de projets ou des futurs porteurs de projets, quelles sont les étapes entre la phase idée et la phase de concrétisation du projet, comment on peut justement susciter l'entrepreneuriat aussi de la bioéconomie, autour de la bioéconomie. Donc voilà, merci à vous. Donc on va constituer la table ronde. Il y a des questions qui ont été posées dans le chat qui vont revenir dans ces grandes questions. Et donc, avec Graziella, on va co-animer cette table ronde avec nos quatre invités. Donc voilà, Graziella, si je te laisse allumer la vidéo et nos quatre aussi intervenants invités. Voilà, je vous invite à ouvrir votre caméra. Et donc, Graziella, je te laisse commencer. Alors oui, donc Michel Pierre donc, a énoncé rapidement les cinq grandes questions qu'on a identifiées suite à vos différentes interventions. Alors tout d'abord, il y a une première question qu'on adresse plus particulièrement à Coralie, la Chambre d'agriculture de l'Aisne, et à Béatrice, donc pour Tartimousse. On voulait savoir, concernant les exigences spécifiques aux nouvelles filières de la bioéconomie, comment cela se traduit dans vos projets respectifs, en quoi finalement ces exigences ou ces normes, ça peut être des normes aussi, ont-elles été différentes des filières qu'on rencontre plus classiquement en fait. Qui c'est qui commence? Allez-y, et après on donnera la parole à Coralie. D'accord. Donc, nous, au niveau, donc, en fait, le fait de passer comme ça en direct avec les agriculteurs, les petits points auxquels on pouvait ne pas s'attendre, c'est l'absence, par exemple, surtout qu'on est sur des produits bruts, donc de fiches techniques, des produits au niveau de la traçabilité, de numéro de lot, de normes de stockage, tout ce qui est certificat d'alimentarité des contenants,
Tout ça, c'est vrai que c'est des choses, si on va acheter directement les produits chez un grossiste, on n'a pas à s'en occuper. Et c'est vrai que ça, c'est des points à mettre en place. Ce n'est pas notre métier, alors ni à l'agriculteur, ni à nous, transformateurs. Il faut quand même qu'il y en ait un qui le fait. Donc, bon, ben là, moi, justement, je viens de faire les fiches techniques pour les févroles, qu'elles soient brutes, qu'elles soient décortiquées. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut penser. Penser à mettre un numéro de lot, penser à faire des fiches techniques. Et ça demande quand même un travail supplémentaire. Et qui n'est pas votre travail d'origine, comme vous disiez à la base. Voilà. Coralie, je suppose, est-ce que tu rejoins cet avis ? Entièrement, c'est découvrir un nouveau métier. Donc, de notre côté, l'agriculture, pour le coup, c'était le secteur qu'on connaissait, mais on a dû découvrir le monde du bâtiment, qui n'est pas du tout le même, soyons honnêtes, qui n'a pas les mêmes exigences, qui n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes manières de travailler. Et du coup, c'est un nouveau métier, un nouvel environnement qui se rencontre. Et puis, c'est réussir à savoir rester compétitif et construire un modèle économique avec des investissements et autres qui s'alignent à la fois sur le monde agricole et sur le monde du bâtiment. On n'a pas les mêmes manières de négocier, on n'a pas les mêmes manières de voir la construction du prix. Et c'est réussir à faire rencontrer les deux environnements qui est complexe, qui est un nouveau métier, une nouvelle manière de travailler. Et c'est réussir à mobiliser les acteurs qui ont des manières de travailler plus traditionnelles. Là, je pense notamment au secteur du bâtiment qui a des habitudes bien spécifiques, qui travaille avec certains types de matériaux et à les ouvrir à des nouveaux matériaux, ce n'est pas évident. Donc, c'est savoir vendre son produit et savoir sur quels arguments on se base et avoir surtout les mêmes arguments que la personne en face. Parce que nous, on arrive avec une volonté agricole, une volonté de valorisation du monde agricole, sauf qu'en face, il faut plutôt avoir les arguments de pour le bâtiment, qu'est-ce que ça va vraiment apporter par rapport à votre travail habituel, aux matériaux habituels. Et enfin, peut-être une dernière, ce serait ne pas générer de contre-exemple. Alors, je ne dis pas que dans le monde agricole, les filières traditionnelles, on est moins laxiste ou autre, mais vu que c'est une filière innovante, vu qu'on est sur quelque chose de nouveau, le moindre contre-exemple, contrairement aux matériaux traditionnels, si on va sur du matériel je pense à des bâtiments nouveaux, on a l'habitude de voir des vis de fabrication, une fissure ou autre parce que c'est nouveau, qu'il y a eu un problème. Sauf que si c'est de la paille, c'est novateur, on va mettre ça sur le dos de la paille. Il faut être rigoureux, d'où l'importance d'avoir les formations et des règles professionnelles et des gens formés pour faire les choses correctement. Merci à toutes les deux pour votre témoignage. Je pense que ça illustre bien aussi toute la partie. On voyait dans quelques-unes des questions, j'ai vu au niveau des questions-réponses, pourquoi le choix de tels matériaux, voilà, pourquoi le projet il n'est pas plus rapide, etc. Ça illustre bien quand même, je pense, un petit peu aussi. Ça montre qu'un projet, finalement, ça prend du temps aussi. À faire vivre et à faire avancer et que faire rencontrer et c'est aussi faire rencontrer plusieurs acteurs quoi, comme tu le disais Coralie mais aussi comme le disait Béatrice avec pas forcément les mêmes au départ vous n'avez pas forcément les mêmes attentes quoi, entre les agriculteurs, entre vous qui avez votre projet entre celui qui va acheter ce que vous proposez etc. Il faut adapter son langage. Ouais, tout à fait, je pense que ça illustre bien. Michel Pierre, je te laisse poursuivre. Oui. Donc voilà, donc maintenant la question s'adresse à Béatrice, toujours à Béatrice et maintenant Cédric aussi. Pourriez-vous nous exposer les intérêts des contractualisations entre votre entreprise et vos partenaires, notamment les producteurs agricoles. Donc Béatrice, tu l'as déjà un peu évoqué. Et Cédric, notamment, donc Béatrice, si tu peux nous compléter ton expérience, nous faire partager ton expérience, et puis Cédric aussi, notamment sur les coproduits de tomates, comment contractualiser avec les partenaires ici, dans ce cas-là, agro-industriels. Donc Cédric, on peut te laisser la parole, et puis Béatrice, on viendra juste après. Oui, alors au niveau des accords, aujourd'hui il y a une volonté des producteurs, des transformateurs de tomates qui sont principalement localisés, qui sont peu nombreux finalement, hein, et qui sont localisés dans le sud de la France,
de trouver des valorisations à leurs coproduits agro-industriels, de leurs coproduits, de trouver une valeur ajoutée, de trouver aussi des débouchés nouveaux. Il y a une grosse concurrence de l'Espagne et de l'Italie. Donc forcément, arriver avec de l'innovation et de la nouveauté, c'est toujours bienvenu. Dans ce domaine-là, il y a un groupement interprofessionnel qui s'appelle la Sonito, qui a été approché, intégré et avec qui on avait, au début du projet, discuté beaucoup avec eux pour effectivement avoir une vision des industriels sur leurs problématiques. Aujourd'hui, ces déchets sont peu valorisés. Il y a un débouché potentiel vers, comme pour la fabrication de biogaz, mais de toute façon, le procédé d'extraction tel qu'on le voit, on va retirer une matière lipophile qui est finalement assez peu assimilable en méthaniseur pour finalement, on va l'enlever et puis on va le reste qui est des sucres et des sucres principalement et de l'eau, va repartir dans la filière. Donc finalement, j'en viens, c'est tout gagnant, quoi. Donc dans ce cadre-là, quand on peut valoriser, quand on valorise un coproduit agro-industriel, il faut lui donner une valeur. Si on croit qu'on va arriver en disant « vous avez un déchet, il faut me le donner pour rien », ça marche rarement. Donc, il faut vraiment avoir une collaboration gagnante-gagnante. C'est la base dans la valorisation des produits, comme ça, des déchets, quoi. C'est pas parce que c'est un déchet que ça vaut rien. Donc, c'est ça qui va amener l'argument de contractualisation. Et donc, si je comprends bien, là, c'est qu'il y a possibilité de double valorisation du coproduit. Voilà. Ben, merci, Cédric, pour cette réponse qui nous éclaire. Et Béatrice, alors… Vous en avez parlé, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'il y a certains éléments qu'on pourrait préciser, notamment sur la contractualisation avec les agriculteurs ou les premières rencontres, comment vous avez pu les motiver aussi à justement contractualiser cette valorisation? Oui, alors ben, je rejoins tout à fait Cédric quand il dit un coproduit, ça a quand même de la valeur. Là, c'est sûr que la févrole, ce n'est pas un coproduit, mais jusqu'à aujourd'hui, la févrole, elle est achetée rien du tout aux agriculteurs. Et c'était vraiment déjà la première idée de lui donner une valeur. C'est pour ça qu'on a discuté, on s'est rencontrés, on a discuté pour pouvoir fixer un prix qui puisse prendre en compte des rendements aléatoires, même si techniquement, on est dans une agriculture où soit en bio, soit avec un cahier des charges sans traitement après la levée. On va dire qu'on ne peut pas dire que ce soit une culture qui coûte très cher à cultiver. Par contre, voilà, des faibles rendements ou des maladies, il peut y en avoir quand même pas mal. Et voilà, il a fallu prendre en compte tout ça et dire, ben voilà, on l'achète une fois et demie le prix du marché parce qu'on est conscient de ça. On veut vous aider à la cultiver. Et nous, de toute façon, on est conscient aussi que ça reste une matière première, même en la valorisant, en l'achetant plus cher, ça reste une matière première pour l'alimentation qui n'est pas très chère si vous comparez avec du cacao, avec du beurre, avec des œufs. Donc voilà, donc c'est vraiment déjà parti de ça. Que tout le monde s'y retrouve. Et après, la contractualisation a été du coup évidente à découler de ça. Après, il faut savoir que quand on est une toute petite entreprise comme ça, on a contractualisé sans trop savoir quel rendement il y aurait, c'était en 2019. L'un comme l'autre, aussi bien les agriculteurs que l'entreprise Graines de Choc, les agriculteurs, eux n'avaient pas à trouver de la févrole s'ils n'en avaient pas assez pour nous. Et nous, si les rendements étaient dépassés par rapport à ce qu'on attendait, on était parti sur 2 tonnes à l'hectare, on ne s'engageait pas à acheter le surplus. Voilà ce que je peux dire. Ok, vous lui donnez de la valeur ajoutée. On revient au même argument que Cédric. Et en même temps, bah voilà, il y a aussi des commentaires dans le chat qui précisent les rendements. Parfois, on peut récolter quasi rien en févrole, selon les pressions de pathogènes, selon les années climatiques aussi. Voilà, il y a aussi tout un accompagnement de la filière aussi avec les leviers agronomiques
et variétale, génétique autour de ça pour justement peut-être amener de la valeur ajoutée à la filière, quoi. Exactement. Et à l'agriculteur. Donc voilà, maintenant, merci. On va passer à une autre question, hein, qui correspond aussi à des questions qui sont dans le chat, notamment sur l'aspect coordination d'un collectif d'acteurs de la filière. Donc là, je passe la question, elle est posée à Véronique et puis à Coralie. Donc, sur base de votre expérience, Coralie, Véronique, quelle coordination entre les acteurs de la filière est nécessaire pour l'avancement des projets en bioéconomie, hein. Donc voilà, Coralie, sur l'organisation du collectif PAI, et puis après, notamment, le développement de la filière PAI en construction, rénovation de bâtiments, et puis concernant la filière bois-énergie pour Véronique. Donc Véronique, vous n'êtes pas encore exprimée, donc je vous laisse la répondre à cette question. D'abord, peut-être sur comment on a impliqué les citoyens dans le projet. Il y a deux questions. C'est coordination entre les acteurs de la filière. Donc, un des acteurs, c'est quand même les citoyens. On a bien vu, hein, tu nous as déjà donné des éléments autour de ça. Voilà, comment l'ensemble de ces acteurs, parce qu'on voit bien un partenariat public-privé aussi avec les collectivités dynamiques de la CAPSO, la communauté de communes de l'Imbre. Comment cet écosystème en fait est né, comment cette coordination entre les acteurs s'est faite. C'est pas uniquement au final aléatoire, il y a quand même eu notamment tout un ensemble de coordination. Donc si tu peux nous faire un retour d'expérience en fait autour de ça, je pense que il y a une question qui a été abordée dans le chat aussi. Oui. Oui. Donc en fait on avait un comité de pilotage qui lui a essayé de construire de répondre aux questions qui se posaient, notamment par exemple sur l'esthétisme de l'architecture, enfin le choix de l'architecture des micro-chaufferies, de répondre à définir le service de vente de chaleur, par exemple intervention dans les 2 heures si la chaudière tombe en panne. Enfin voilà, le comité avait pour but de s'écouter et de répondre à des questions. Et au sein du comité, on avait une représentativité un peu de tous les types d'acteurs autour du projet, dont les citoyens. Et puis ensuite, chaque site, donc la commune de Zudosc, la commune de Kelm, le site de Belleval, a animé un réseau de citoyens autour de ce projet-là. Et au niveau des citoyens, en gros, on avait trois types de motivations. On avait des citoyens qui sont arrivés parce que très impliqués au niveau environnemental ou ils souhaitaient le développement des énergies renouvelables. Donc, eux, par exemple, c'était plutôt des questions sur quelle attention on allait porter sur la ressource, qu'on soit bien en plan de gestion durable, par exemple, sur 15 ans, ça a été une manière d'y répondre. On a des citoyens qui sont arrivés parce qu'il y avait un projet sur un territoire. Donc, eux, ce qui les intéressait fortement, c'était comment on allait travailler avec des entreprises locales. Et ça a été le choix, par exemple, du chauffagiste, le choix du constructeur de silos, le choix aussi des approvisionneurs bois. On a aussi des citoyens qui se sont impliqués au niveau, parce qu'ils voulaient mettre de l'argent dans un projet économiquement viable. Donc, du coup, ça a été toutes les questions autour du modèle économique. Et au niveau des producteurs de bois, par exemple, les producteurs de biomasse, il y a des agriculteurs, il y a des forestiers, il y a des particuliers. Comment vous avez réussi à coordonner Alors, on a eu deux approches. On a eu une première approche avec le parc Cavé-Marine d'Opal qui ont mobilisé les agriculteurs dans un rayon de 25 km autour de chaque projet, en tout cas pour les projets de Calmy-Zudosc, et donc en organisant des rencontres pour essayer de regarder qui pouvait être intéressé, comment on pouvait établir un plan de gestion. La mobilisation, elle a été assez faible. Et en fait, finalement, après, c'est reparti du territoire avec le projet de plateforme et c'est l'association Maraletois qui mobilise le bois. Donc, en fait, on a du bois essentiellement qui vient des communes, de l'élagage urbain, par exemple.
ou alors des chantiers de récupération de bois que eux ont, en fait. D'accord. Merci. Il y a aussi un travail avec un agriculteur sur le broyage, puisqu'il est équipé d'un broyeur et c'est lui qui fait le broyage de la plaquette. D'accord. Bah, merci Véronique et puis bah, Coralie aussi. Voilà. Alors nous, peut-être pour l'historique, donc c'est vrai que je ne suis pas, j'ai pas forcément expliqué que. Donc moi, je suis à la Chambre d'agriculture, mais la Chambre d'agriculture fait partie d'une association qui s'appelle En Avenir, qui est l'association des chambres consulaires de l'Aisne. Donc dedans, il y a Chambre d'agriculture, Chambre des métiers et de l'artisanat et Chambre de commerce et d'industrie. L'avantage d'avoir cette association, c'est qu'on couvre un peu, avec l'ensemble des ressortissants, on couvre un peu les différents secteurs de la production à l'industrie, en passant par l'artisanat, les charpentiers et autres. Donc, on est parti de cette base, en fait, déjà pour la coordination, de se baser sur les consulaires. Et l'idée, c'était dans un premier temps, par consulaire, de regrouper dans une réunion des représentants des différents corps de métier, la FFB, la CAPEB, donc les différents maillons de la filière, et de faire avec eux un état de l'art et déjà d'entamer l'échange sur qu'est-ce qui est attendu par les différents maillons, comment travailler ensemble, à savoir que justement cette coordination, elle se travaille encore aujourd'hui, on n'a pas encore abouti, loin de là. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir déjà dans un premier temps l'ensemble des ressortissants et l'ensemble de des maillons de la filière qui soient représentés. L'avantage du coup d'être en association des consulaires, c'est qu'on est allé voir les charpentiers de l'Aisne pour leur parler de la filière, pour avoir un peu leur retour sur la construction de paille et comment ils se positionnaient. C'est comme ça qu'on a découvert, qu'on a rencontré un charpentier dans l'Aisne notamment qui était de prime abord déjà très intéressé par la paille et qui ne demandait que ça, de se diversifier sur la construction de paille. Et donc, c'était une aubaine pour lui finalement qu'on aille le rencontrer. Et au niveau des producteurs, c'était typiquement deux jeunes porteurs de projet, donc Thibalot, qui était déjà plus ou moins sur le marché. Et le fait d'avoir toute la filière derrière pour l'accompagner, ça a permis de leur faire gagner confiance. Et derrière, alors c'est eux qui font tout le boulot, hein, mais derrière, de pouvoir servir de validation et d'appui sur certains points quand ils en ont besoin. La difficulté de la coordination, ça va être justement la contractualisation avec les producteurs. C'est encore en cours de travail là-dessus. Sachant que donc, nous, on est à l'échelle de l'Aisne, mais à l'échelle des Hauts-de-France, il y a donc le CD2E qui travaille aussi à la mise en réseau et à la coordination des acteurs, c'est eux la référence régionale, et là-dessus ils font un travail similaire avec tous les maillons de la filière, toujours, et notamment sur la question de histoire de coordonner monde bâtimentaire et monde agricole, comment lisser justement demande et production, puisqu'on n'est pas sur le même calendrier. L'idée, c'est de mettre en place une plateforme. Donc ça, c'est en cours de réflexion toujours. Donc, il y a beaucoup de projets. Et enfin, peut-être un dernier point sur la difficulté dans la mise en place de cette dynamique et de cette coordination, c'est qu'autour de la table, on met pas mal de représentants. Mais pour mettre en place les actions concrètes, il faut des porteurs de projets investis qui, si je peux me permettre, qui se mouillent en fait, qui mouillent leur chemise et qui mettent les moyens pour aller plus loin et pour mettre les choses concrètement dedans. Et c'est ça qui prend du temps, parce qu'on rencontre pas mal de gens intéressés qui veulent bien se coordonner et s'associer, mais au centre, il faut quand même un porteur de projet qui puisse se lancer. Ça, là-dessus, la Chambre d'agriculture, on est consulaire, on n'est pas porteur de projet, on donne conseil. Et là-dessus, on a la chance d'avoir rencontré, du coup, des acteurs dans l'Aisne, je pense à l'Opal, je pense au Petit Ballot, qui sont très investis là-dedans. Et c'est après, autour d'eux ou à côté d'eux, il y a d'autres dynamiques qui se mettent en place, qu'on construit et qu'on coordonne les autres acteurs qui regardent et qui s'investissent, mais autour d'un porteur de projet qui s'est déjà lancé. Ok, bah merci Coralie. Donc on voit bien le côté en fait articulation en fait des maillons de la chaîne, le côté participatif, donc que ça soit des citoyens ou d'autres acteurs,
Et puis, le côté leadership et esprit entrepreneur, voilà, mouiller la chemise, comme tu dis. Dans le développement en fait, de ce projet. Donc, je repasse la main, la parole à Graziella. Et puis, oui, alors pour introduire une autre question qu'on avait et finalement qui a été un petit peu abordée par Coralie, me semble-t-il. C'est vrai que là, on vient de poser tout ce qui est autour de la coordination entre les différents acteurs d'une filière. Et Coralie, à un moment, je ne sais pas si tu as fait attention, tu as parlé de calendrier, justement. C'est là notre quatrième question. Parce qu'on sait que la production de biomasse, elle a lieu à des périodes précises. En tout cas, quand on travaille en champ d'agriculteur, ça, on le sait, nous. Et que ces périodes, elles peuvent être en décalage, elles ne sont pas systématiquement en adéquation avec les besoins des industriels. Voilà, elles peuvent être en décalage. Donc là, je vais m'adresser à Véronique et Béatrice pour voir un petit peu comment vous avez appréhendé dans vos projets cette différence de calendrier, justement, entre la disponibilité de la biomasse à un certain moment dans l'année et les besoins industriels. Là, en termes industriels, vous avez des besoins, vous, forcément, peut-être à d'autres moments de l'année ou peut-être toute l'année, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Je commence. Oui, vas-y. Donc la févrole est récoltée sèche, elle est récoltée fin août ou début septembre. Pour nous, la difficulté, ça a été surtout en plus avec une entreprise qui démarrait, un produit totalement innovant, donc aucune idée de quel volume on allait fabriquer, quel volume on allait commercialiser. Il a fallu anticiper sur 2 ans, en fait. On a décidé de semer, donc on fait semer de la févrole de printemps. Donc, on s'est réunis en début janvier pour savoir quelle quantité on semait, à récolter donc fin août 2019. Il a fallu pour ça anticiper l'explosion de l'activité. Il fallait surtout pas, parce qu'on a sélectionné une variété bien précise, ça veut dire que si on n'en avait plus, on ne pouvait pas forcément en trouver dans des coopératives ou avec d'autres agriculteurs, on n'était pas sûr d'avoir ce dont on avait besoin. Il a fallu également anticiper des faibles rendements en 2020, ce qui s'est d'ailleurs passé cette année, et ça a fait... Ce qui fait qu'en 2019, on a l'ensemble à récolter environ 40 tonnes de févrole, ce qui était énorme. Vous voyez bien, on en a transformé 6-7 tonnes cette année. Mais les rendements, là, 2020, les agriculteurs ont en moyenne ont récolté un peu moins d'une tonne à l'hectare, et ce qui permet finalement, avec ce qui a été transformé, les essais qu'on a pu faire, les agriculteurs qui ont finalement récupéré un peu pour ressemer, là, on repart avec à peu près 20 tonnes, un peu plus, 25 tonnes de févrole pour l'année, 2020-2021. Donc, ce qui n'est pas énorme, en se disant qu'on est toujours en train d'augmenter quand même la production, qu'on attend, on espère toujours que le produit, même si ça marche plutôt bien, se développe à plus grande échelle. Et à ce moment-là, il faudra tout de suite avoir la matière première dont on a besoin. Mais c'est vrai que tout seul, ça fait s'engager sur des gros volumes, ça met un peu la pression. Faire ressemer en janvier, je vous avoue que faire ressemer en janvier 2020 une dizaine d'hectares là, en sachant que j'avais encore 40 tonnes sur les bras, entre guillemets, c'est pas très confortable. Après, comme je l'avais dit, l'idée, c'était vraiment entre les agriculteurs et nous, c'était quand même la bienveillance. Alors, il y en a qu'on ressemait, il y en a qu'on revendu un petit peu, il y en a qui ont utilisé le surplus en couvert. Donc voilà, sans que j'aie à revendre moi-même le surstock, et en sachant que le prix, en moyenne, on achète la févrole 480 euros la tonne.
j'étais incapable de la revendre ce prix-là. Le surplus, si je le revendais à d'autres, des groupes, des industriels ou d'autres personnes, c'était en moyenne 200 euros la tonne. Donc, je ne pouvais pas me permettre de perdre autant d'argent. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand on traite en direct avec les agriculteurs. Oui. Et ça montre aussi toute l'importance de trouver entre vous un terrain d'entente. Montrer que c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant entre vous. Quoi. Ça ne peut pas être chacun fait son travail de son côté. C'est tout à fait ça. Voilà, faut que vous échangiez entre vous et puis il faut que vous soyez aussi constructifs les uns vis-à-vis des autres aussi. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est sûr qu'ils savent, ceux qui sont avec nous dans le projet, c'est sûr qu'on ne va pas leur faire gagner de l'argent par rapport à ce qu'ils vendent à côté. Mais par contre, ils croient au projet, ils ont envie aussi de s'investir dedans. Et ils savent que si demain, on a besoin de 200 tonnes de févrole, c'est déjà ceux qui ont commencé. S'ils sont d'accord pour continuer avec nous, c'est vers eux qu'on ira. Donc, mais voilà, c'est un projet sur le long terme. Ils savent qu'en 2019-2020, on ne va pas leur faire ce qu'on leur fait gagner. C'est rien du tout par rapport à ce qu'ils peuvent commercialiser dans ce qu'ils ont à la ferme comme céréales ou autres légumineuses. Merci beaucoup pour ce témoignage. Béatrice, est-ce que Véronique, alors, vous pouvez compléter par votre expérience? Nous aussi, on a des contraintes de calendrier. Alors, peut-être ils sont moins fortes que Béatrice parce qu'en fait, quand une chaudière s'installe, on a le temps de l'anticiper pour pouvoir la livrer en plaquette. Mais néanmoins, on est sur une production de saison. Nous, en fait, la plaquette, elle met 3 mois à sécher. Donc, quand on en a besoin, il faut qu'elle ait eu le temps de sécher. Et elle ne peut sécher en gros que les mois d'été, hein, essentiellement. Et donc, en fait, on fait une rencontre au mois de mars pour évaluer les besoins. Et puis, on est aussi on essaye de former une équipe technique et on est dans la transparence de ce qui va pas, pour essayer de se comprendre les uns les autres et pour anticiper les contraintes des uns et des autres dans la production. Parce que la contrainte qu'on a aussi, c'est on doit être au plus juste, c'est-à-dire qu'on ne prévoit qu'une seule année de plaquette, parce qu'on sait que la deuxième année, la plaquette aura une qualité moindre. Donc, votre témoignage, il montre aussi toute l'importance du dialogue entre vous, entre les porteurs de projets, et puis aussi à nouveau ceux qui viennent fournir la matière première, hein, ceux qui viennent sortir fournir la biomasse. Voilà, je pense que c'est ce qu'on voulait vraiment montrer avec Michel Pierre Faucon. C'était l'importance, voilà, de dire que toute la difficulté aussi pour les porteurs de projets, c'est de bien s'entourer, comme vous l'avez dit, de monter finalement une équipe. Finalement, ça devient quasiment une équipe, avec les personnes avec qui que vous emmenez avec vous dans le projet en termes d'approvisionnement. Voilà. Et la dernière question, Michel Pierre, je te laisse. Oui, merci Gratiella. Voilà, toujours pour Béatrice, hein, donc voilà, on aime bien la févrole, même si la dresse de tomate est aussi appétante. Hein. Voilà, il y a eu plusieurs questions sur la concrétisation du projet, notamment les étapes entre la phase idée et la phase concrétisation du projet. Voilà, comment ce projet est venu. Il y a une question aussi dans le chat qui demande est-ce que voilà, il y a une structure, une personne qui peut guider en fait ces porteurs de projet. Donc, est-ce que vous avez été accompagné par rapport à ça? Et puis après, pour répondre à la personne qui a posé cette question, c'est tout l'intérêt aussi de ce groupe biomasse aussi Hauts-de-France, c'est d'apporter en fait un accompagnement par rapport à ces porteurs de projet. Donc, Béatrice, je vous laisse la parole. D'accord. Donc, alors, le projet, donc moi, j'ai avancé un peu. Au départ, c'était pas, quand j'ai eu la févrole, ce n'était pas le but d'en faire quelque chose à commercialiser. Ça a été vraiment pour goûter, pour essayer. Finalement, très vite, j'ai eu l'idée de le faire. Mais j'ai avancé vraiment petit à petit en partant du côté vraiment artisan. J'ai fait quelques pots que j'ai vendus sur les premiers marchés de Noël en 2017. Et puis, j'ai avancé un peu comme ça. Et
J'ai cherché de l'aide, j'en ai pas trouvé à l'époque. J'étais pas du tout issue du milieu ni agroalimentaire, agricole. Enfin, donc voilà, j'ai pas trouvé les personnes pour m'aider. J'ai eu la chance qu'il y ait une personne de la coopérative Agora qui était vraiment intéressée par le projet et qui m'a accompagnée au Salon de l'agriculture. Et ça nous a permis de rencontrer Terre Univia, Terre Oléo Pro, c'est les huiles et protéagineux français, et qui m'ont aidé, qui m'ont orienté un petit peu vers quelques personnes, pas forcément en Hauts-de-France, donc ça n'a pas été forcément très simple, mais il a fallu du temps, il a fallu au moins un an et demi avant qu'en Hauts-de-France, j'arrive, on m'écoute un petit peu, que j'arrive enfin à faire bouger un peu les choses auprès de BPI, auprès de la région. Et j'avoue que ça a été vraiment très compliqué. Quand au départ, j'ai parlé de févrol, on m'a plutôt rigolé au nez. Personne n'a pris le projet au sérieux. Après, je n'avais pas non plus, j'avais pas d'expérience, j'avais rien pour peut-être aussi qu'on me prenne au sérieux. Mais voilà, ça n'a pas été facile. On ne sait pas où trouver les accompagnements. Voilà ce que je peux dire. Bon, voilà, ça montre tout l'intérêt en fait de se structurer pour accompagner les porteurs de projets. Voilà. Voilà, bah merci. Et puis après, je pense qu'il y a eu aussi quelques autres petites questions, mais on doit absolument terminer à 15h30. Hein, donc, on s'est engagé aussi à répondre à certaines questions postérierement à ce webinaire hein, pour les questions qui sont restées en suspens. On ne peut pas tout traiter. Il y avait aussi une question sur les conflits d'usage aussi autour des biomasses. Hein, donc, c'est tout l'intérêt au final de ce groupe bioéconomie biomasse en région de France, c'est aussi de comprendre en fait le faire en sorte que ces biomasses soient utilisées, ces coproduits soient utilisés en complémentarité hein, et les connaître au niveau de chaque territoire pour répondre à cette question. Donc Graziella, on passe la main, je pense à Hélène. Oui, oui, tout à fait, Michel. Peut-être juste rajouter pour ceux qui ont posé des questions et qu'on n'a pas pu mettre en avant là cet après-midi. En effet, on récupère bien toutes les questions. En principe, on récupère également vos mails. Donc voilà, on vous répondra soit de manière individuelle, soit en rédigeant une trame qu'on enverra à tout le monde, et puis vous verrez qu'en fin de présentation aussi, vous aurez une slide avec toutes nos coordonnées. Voilà, à tous ceux qui ont le groupe Biomasse et Biocommunomie dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui est à l'origine de ce webinaire, vous aurez nos coordonnées. Donc, si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'échanger sur un projet ou sur une idée, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci aux quatre intervenants hein, pour leur partage d'expérience. Voilà, Hélène, à toi la parole. Merci à vous six. Du coup, je vais faire une synthèse, mais vraiment très, très courte de ces échanges vraiment très intéressants que nous avons eus. Juste pour remettre en avant les différents éléments clés qui me semblent importants pour le développement des projets de bioéconomie. Hein. On l'a vu, il y a l'un des éléments clés pour le développement des projets de bioéconomie, c'est d'avoir déjà des porteurs de projets qui soient dynamiques, force de proposition, qui s'activent entre guillemets sur le territoire pour avoir des filières qui se mettent en place et qui puissent se développer sur les territoires. Mais ces porteurs de projets, comme l'a dit notamment Béatrice ou Coralie, ils ne vont pas intervenir tout seuls sur le territoire. Ils ont besoin d'avoir un accompagnement, de connaître le territoire, de connaître les acteurs qui sont présents sur le territoire, de pouvoir aller les rencontrer, de pouvoir discuter avec eux pour construire une équipe, puisque c'est seul on avance, mais ensemble on va plus loin, comme on dit. Hein, tout seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ça qui nous semble intéressant. Et c'est en ça aussi que notre connaissance que l'on peut apporter à travers le groupe Biomasse et Bioéconomie peut aider et au développement des projets sur le territoire des Hauts-de-France par notre connaissance que l'on a des différents acteurs qui vont intervenir au niveau à la fois agricole mais également au niveau industriel et logistique sur le territoire. Il y a vraiment cet aspect ensemble d'avancer ensemble et cette connaissance et cette communication qu'il peut y avoir entre les différents acteurs qui vont interagir dans les filières, elle est également très importante
parce que on a besoin, les différents acteurs, ils ont besoin de connaître les différentes attentes des uns et des autres, et c'est par la connaissance de ces attentes et le trouver le bon compromis qui va permettre d'avoir des acteurs qui soient gagnants-gagnants quand ils sont impliqués dans les filières, qui vont permettre d'avoir des filières qui soient durables et ancrées sur nos territoires. Et voilà, donc c'était les éléments qui me semblaient importants de remettre en avant, cette notion de complémentarité, de communication entre les acteurs et d'accompagnement, notamment, juste pour la petite histoire, on a développé une démarche d'accompagnement des porteurs de projets pour les filières de la bioéconomie qui s'appelle Philabium. Donc je vous invite à aller taper sur Internet Philabium pour avoir une présentation plus fine de cette démarche. Et donc, pour continuer à travailler sur cet aspect-là, on a déposé un projet auprès de la région pour mettre en place un observatoire de la bioéconomie et des biomasses en Hauts-de-France, avec comme objectif derrière cet observatoire de porter à connaissance puisque pour faire des projets de bioéconomie, on a besoin de biomasse, et pour connaître quelle biomasse on a disponible au niveau de la région, on va travailler sur cet aspect-là pour apporter à connaissance les gisements de biomasse disponibles en région et faire un recensement des projets de bioéconomie qui existent en région aujourd'hui. Donc c'est un projet qui va démarrer l'année prochaine et sur lequel on reviendra vers vous dans les prochaines années. Du coup, je vais laisser la parole à Sandrine pour qu'elle conclue ce webinaire. Merci à tous. Donc, je te rends la main, du coup, Carole. Sandrine. Alors, tout simplement, je voulais conclure que je ne trouve plus mon fichier de partage. Voilà, il fallait que ça m'arrive, ça, sur la fin. C'est impressionnant. Je vous demande juste un petit instant. En attendant, je voulais conclure sur un outil qui nous permettra d'être visible sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, mais au-delà aussi, du moins on l'espère. C'est le portail de la bioéconomie. Alors, le portail de la bioéconomie, il a été créé par le pôle IAR. Alors j'espère que c'est cette fois-ci bon. Voilà. Alors, le portail de la bioéconomie, comme je le disais, je vous prie de m'excuser, il a été mis en place par IAR avec le concours de la région Hauts-de-France. C'était à la base une idée proposée dans le cadre du Biopacte. Le Biopacte, c'est un accord qui a été signé entre les trois régions Hauts-de-France, Grand Est et Île-de-France. Et ce portail permet en fait de remplir trois des objectifs aussi du master plan bioéconomie, donc il s'intégrait parfaitement à la dynamique de la région, et il doit répondre à un certain nombre de problématiques, et on espère, dont celle qui a été cité par exemple par Béatrice Maire. Moi, ça m'a frappé qu'elle nous dise qu'elle n'a pas eu de contact à ce moment-là pour l'aider à développer son projet, alors qu'on a un écosystème qui est riche, qui peut accompagner justement les porteurs de projets. Encore faut-il pouvoir les identifier les personnes au bon moment. Donc, ce portail-là a vocation, puisqu'il est lancé depuis maintenant environ un petit peu moins de deux mois, a vocation à permettre de trouver des renseignements aussi bien pour le grand public, pour tout à chacun, mais aussi bien pour toutes les personnes de la sphère plus spécialisée de l'écosystème de la bioéconomie en Hauts-de-France, sur les projets, les appels à projets, les aides financières qui sont mises en place aussi par la région pour permettre d'accompagner ces projets, les offres de formation, les success stories, la politique régionale en faveur du développement du secteur. Il y aura encore une autre slide avec ce qui existe aussi déjà, et là je voulais rajouter aussi, et demain, les résultats du projet d'observatoire de la biomasse, ce projet dont Hélène vous a parlé juste quelques minutes auparavant, les résultats de ce projet se voudront publics et pourront être à disposition de l'ensemble des acteurs des projets sur le territoire.
Alors, ce portail met en avant aussi toutes les actualités, les événements qui sont liés dans la région des Hauts-de-France à la bioéconomie. Il y a également une cartographie qui référence et catégorise tous les acteurs qui se référencent. Donc, on encourage vivement l'ensemble des acteurs à se référencer sur cette cartographie. Et pour trouver les partenaires, il y a un système qui permet de filtrer et de trouver plus facilement en fait, les acteurs avec qui on cherche à prendre contact. Et tout cela avec une ergonomie la plus facile possible. Donc, ce portail se veut vraiment accessible, ergonomique et en reprenant le maximum des informations que l'on peut transmettre en région sur la bioéconomie. Alors, c'est collaboratif. Pour les acteurs de la région, vous êtes invités cordialement à pouvoir prendre contact, à proposer des projets, des documents à partager, à se joindre à la communauté de la bioéconomie, à devenir réellement acteur aussi au sein de ce portail. Voilà. Je voulais maintenant aussi vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour de nouvelles aventures en 2021. Et je vais repasser la parole à Hélène pour dire le petit mot de la fin. Et merci aussi aux participants et aux intervenants. Au revoir. Je remets mon micro. Merci Sandrine. En tout cas, merci à tous pour ces échanges très intéressants durant ce webinaire. Je vous ai remis, et puis merci à tous pour votre écoute et vos questions dans la partie questions-réponses. J'ai remis la présentation du groupe Biomass pour que, avec tous nos contacts que vous pouvez récupérer pour vous nous contacter si vous avez envie de développer un projet de bioéconomie en région. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre écoute et donc rendez-vous en 2021 pour une prochaine réunion autour de la bioéconomie en Hauts-de-France.